Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le samedi 29 juin 2024. Je dis bien 2024, hein. Dans ma dernière vidéo je me suis trompé sur l'année. Donc petit tour en forêt, alors une autre forêt où je viens habituellement, mais c'est pas celle où je viens le plus. Mais là j'ai décidé de changer un petit peu de coin pour voir ce qu'il y avait ici. Donc il y a beaucoup de lecteurs poivrés, je vais vous les montrer bien sûr. Et on va voir. On va voir, il paraît qu'il y a de la girolle à foison. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti les amis. Ah, donc, je suis accompagné de ma Sacha. Voilà, elle est contente. Hein. Alors, quand on vient en forêt, elle est hyper contente. Et voilà, donc je vous disais, hein, vous voyez tous ces champignons blancs, là, ce sont des lecteurs poivrés. Lactarius piperatus. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est un champignon qui est non comestible, hein. Très piquant. Très piquant. Un champignon que j'avais essayé il y a quelques années de réduire en poudre pour en faire des condiments. C'était vraiment pas bon. Je vais laisser tomber l'opération. Vous voyez, il y en a vraiment partout. Donc on va voir si on trouve quelques girolles, pourquoi pas quelques cèpes. J'aimerais bien, on va regarder ça ensemble. Allez les amis, allez, je coupe et je rallume si j'ai quelque chose d'intéressant. Allez les amis, je tombe sur un Polyporus lentus, un polypore de Forquignon. Mais alors il est énorme, je crois que c'est le plus gros que je n'ai jamais vu. Regardez cette taille. Il est presque aussi gros que ma main. Il pousse sur une branche. Hein. Une branche que j'ai du mal à bouger. On a même deux. J'essaie de vous montrer le dessous. C'est un champignon sans intérêt. Hein. Mais vraiment énorme. J'en ai jamais vu de si gros. En général, ils sont tout petits. Et là, ouais, très gros. Polyporus lentus. Le polypore de Forquignon. Et là, ma Sacha. Je dis bonjour, ma Sacha. Ah oui. Voilà, sinon, bah, pas de girolles pour le moment, les amis. Alors, des lactaires poivrés, en veux-tu, en voilà. Mais pas de girolles. Ni de cèpes. En tout cas, pour le moment. Les lactaires poivrés, là, il en manque pas. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Pas de cèpe non plus. Je vous montre un Lactarius piperatus. Donc c'est un lactaire. Vous voyez, il y a du latex qui s'en écoule. Très piquant. Jeunes exemplaires. C'est bizarre parce qu'on me dit que des gens que je connaisse me disent qu'il y a beaucoup de girolles et dans les coins où je viens, où j'en trouve habituellement, bah j'en vois pas une seule quoi. Alors soit le coin a été ratissé ou soit je n'ai plus l'œil. Bon les amis, bah, écoutez, je vais faire cette partie-là et puis bah, je rallume dès que j'ai autre chose. À tout de suite. Alors ça c'est beau les amis. Malheureusement ça a déjà été un petit peu mangé, mais regardez cette belle tache. Alors, il y en a des petites qui ont été grignotées, mais là c'est une belle tache que j'ai eue de loin. Donc effectivement il y a bien des belles girolles. Alors, on va les prélever. Bon, les limaces se sont fait un peu plaisir. C'est pas très grave. Vous voyez.
Elles sont un peu terreuses, mais c'était des belles girolles. Donc on va ouvrir les yeux. Regardez ça. C'est des Cantharellus palens, ça. Ah, c'est sûr que si on tombe sur plusieurs taches comme celle-ci, ça vaut le coup. Ouais, on voit bien les plis en dessous. Ça y est, les moustiques sont sortis aussi. Ouais, des belles girolles. Hein. Bah super, ça fait plaisir. Allez, on va regarder s'il y en a d'autres. Il n'y a pas de raison. Allez, je reste pas trop statique parce que sinon je me fais défoncer. Et c'est pas agréable. Alors on va prendre la petite là. Il y en a une un peu correcte. Coincée sous une branche. Oh là 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 là. Oui, c'est bourré de moustiques. Allez, je me dépêche, les amis, et je vous reprends dès que j'ai autre chose. A tout de suite. Alors, il y en a encore une ici. Ah, elles ont été abîmées. Hein. C'est dommage. Ouais. Ah, il en reste plus grand chose. Il ne reste plus grand chose. Ouais, c'est très très abîmé. Ça, je ne vais pas prendre. Je vais laisser beaucoup beaucoup de lactaires. C'est impressionnant. Et beaucoup de moustiques. Ça, c'est mon cauchemar. Ça fout en l'air une prospection. Sont obligés de se dépêcher, de ne pas stagner, c'est pénible. Mais en plus, c'est douloureux. Mais bon, c'est comme ça tous les printemps, donc pas le choix. Allez, les amis, je vous reprends dès que j'ai autre chose. Alors, et là, nous avons un bolet rude, un Lexidum scabrum ou pseudo scabrum. Le premier de l'année que je vois. Donc un pied méché, pas de réseau. Médiocre comestible, il est un peu passé, je vais le laisser. Je bouge. Voilà, premier de l'année. Lexinum scabrum, bolet rude ou proche. Bon, on voit quand même quelques champis. Ça fait plaisir. Je vais essayer de m'enfoncer un peu plus dans la forêt. Je vais aller voir là où j'avais trouvé il y a 2 ans ou 3 ans des bolets vieux roses. Je vais aller voir par là-bas. On ne sait jamais. Et toute cette troupe là de lactaires poirés, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, c'est impressionnant. Hop. Allez, je coupe, les amis. Ouais, les amis, de très loin, je voyais cette tache jaune là, je me suis dit non, ça peut pas être des girolles. Juste derrière ma Sacha là. Mais en fait si. Viens là, tu marches dessus. Regardez. Oh, puis regardez là. Regardez là ici là. Oh, cette belle tache. Regardez ces morceaux. Alors ça, c'est beau. Ça vaut vraiment le coup, hein, les amis. Allez.
vais tâcher de me dépêcher. Ah, si on tombe sur, sur quelques taches comme ça, ça vaut vraiment le coup. Regardez ça, celles-ci sont vraiment belles. Donc c'est bien des Cantharellus palens, hein, la girole pruneuse. Ah, superbe. Ah, je vais me dépêcher. Je peux pas trop prendre le temps de les admirer. Pardon. Alors si je tombe sur, sur plusieurs tâches comme ça, il y a moyen de faire un beau panier. Ah, c'est beau. Je les ai vus de loin et je pensais que c'était un morceau de bois, une branche. Et non, c'était bien des girolles. Je vais prélever celle-là, là. Oh là 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 là. Bon, celle-ci, elle a poussé bizarrement. Mais c'est bien une girole. On a deux girolles. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, des tâches comme ça, voyez, le panier il se remplit vite, à cette allure. Eh ben super. Allez les amis, je continue mon avancée, et je reprends tout de suite. Ah, il fait extrêmement lourd, extrêmement chaud. C'est un étouffoir là dans la forêt ce matin, pourtant il est 7h du mat. Et là, je tombe sur une amanite rougissante que normalement, maintenant, vous connaissez bien, hein, ceux qui me suivent. La golmotte, amanita rubescens, avec ses teintes vineuses, comestible, bien cuit, 20 minutes. En général, que le chapeau, parce que le pied est souvent véreux. Amanita rubescens. Ah, et là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce? Ah, ça reste un cep d'été. Aïe, et je me pique les doigts. Ah, c'est un cep d'été. Bien abîmé, malheureusement. Ouais. C'était un cep d'été, le pied tout mou. Tout mou, tout abîmé, tout fichu. C'est dommage. Boletus reticulatus. Ouais, il a été bouffé, il est hyper véreux. Ça, c'est dû à la pluie, hein. Beaucoup, beaucoup de pluie. C'était bien un cep d'été. Bon, ça fait quand même plaisir d'en voir un. Hein. Il y a de la variété. Il y a de la variété. Alors, niveau météo, ben là, on a eu beaucoup de pluie encore cette semaine. Il y a beaucoup de chaleur aussi. Enfin, c'est ouais, très lourd, un temps très, très lourd. Puis alors là, ils annoncent en fin de journée des orages violents et de la pluie là encore demain jusqu'à jeudi quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais venir faire un tour ce matin. Tiens, ça, je sais pas ce que c'est comme fleur. Je vais faire voir peut-être que Claire pourra nous dire ce que c'est. Voilà Claire, si tu sais, si tu as une idée. Voilà. Allez, on va continuer à avancer par là. Ouais, donc météo très très lourd là, c'est vraiment un étouffoir. Très humide. Et malgré qu'il fait chaud, bah, la terre est quand même ouais, très très humide. Bah bon, a priori, c'est bon pour les girolles. Peut-être moins pour les cèpes. On peut pas tout avoir. Allez, je vais changer de... Enfin, je suis toujours dans la même forêt, mais je me suis éloigné un petit peu de là où je suis rentré. On va passer dans une autre zone, voir ce qu'on y trouve. Allez les amis, je vous reprends. Alors, il n'y en a pas partout, partout. Mais alors, quand on arrive dessus, c'est vraiment des belles. Hein. Regardez. Vous voyez au milieu de l'écran la tache jaune là. Et ben ça c'est une belle girole. Alors là je suis exactement où j'avais trouvé ici là. Il y a 2 ans je crois, ou 3, je ne sais plus.
Un bolet vieux rose. Champignon rare. Et regardez, ouais, cette belle girole là, dis donc. Bon, toujours un petit peu bouffé, ouais, il y en a même une deuxième là. Mais vous voyez, ouais, c'est des petites taches comme ça, mais elles sont chouettes. Hein. Elles sont vraiment belles. Alors, je vais la prélever. Ouais, elle a été bouffée quand même. Ah, il y en a deux en fait. Ouais. C'est chouette, hein. Alors, je vous dis, ça fait quand même un moment que je marche là, que je. Bon, je savais, j'en avais déjà vu ici, donc c'est pour ça que j'ai dit je vais venir voir. Tiens, la Lily, on va la dédicacer à l'ami Belette. Et la girole que je vais dédicacer à bah, Girole à tube, hein, mon poteau. Voilà, je vais aller regarder l'autre qui était là derrière. Hop. Ouais, bouffé aussi, dommage. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très très grave. Hein. Ouais, Sacha marche dessus, comme d'hab. Hop, elle avait un beau pied, celle-ci. Eh ben, ça fait plaisir. Il y a de quoi faire une petite poêlée pour demain. C'est toujours sympa. Allez, je vais tourner aux alentours là. Voir s'il n'y en aurait pas d'autres. Pas de raison. Voilà, je vous montre un peu le biotope dans lequel je me trouve. Très très lourd, il fait très très lourd ce matin. C'est impressionnant, je me suis dit je vais venir à la fraîche. Eh ben, je ne fais pas si frais que ça les amis. Ouh, c'est étouffant. Vraiment étouffant. J'avance un petit peu avec vous. Hein. Je suis obligé d'avancer relativement vite. Je n'aime pas ça, mais les moustiques m'y obligent parce que si je suis statique, c'est même pas la peine. C'est intenable. Même en marchant, c'est difficile. C'est vraiment pénible, c'est vraiment le. Je me répète un peu, hein, mais c'est vraiment le truc qui gâche mes balades, moi, ces foutus moustiques là. J'ai beau mettre tout ce que je veux, rien n'y fait. Alors, on va faire gaffe parce que là, il y a un ravin. Viens là, Sacha, tu m'attends. Ah, regardez, j'ai quand même bien fait de m'avancer. Il y a deux petites là. Viens là, nénette, viens. Voyez. Alors, on va prélever celle-là. Bon, elles sont nettement plus petites, mais elles sont quand même de taille correcte. Hop. On va rejoindre le casse-croûte demain. Alors. La girole, pendant que j'y suis, alors moi j'ai essayé de les. Alors les sécher, c'est même pas la peine. C'est vraiment pas bon du tout. À la réhydratation, c'est vraiment pas bon. Et j'ai essayé de les congeler comme les cèpes. Alors les cèpes, j'ai pas de soucis. Les oranges, j'ai pas de soucis. Mais
Les girolles congelées, c'est pas terrible, terrible. Mais ouais, donc j'ai du mal à les conserver. Alors je pense que le meilleur moyen, c'est de les faire au vinaigre dans des bocaux. Mais bon, celles-ci, enfin oui, c'est un peu gros, c'est rien qui m'empêche de les couper. Mais voilà, je pense que si on veut les conserver, le meilleur moyen, c'est dans des bocaux et au vinaigre. Ou à l'huile, enfin voilà. Mais séché ou congelé, c'est pas terrible. Enfin voilà, je parle de ma propre expérience. Peut-être que parmi vous, vous faites différemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneur aussi de conseils et d'astuces. Mais voilà, ce que j'ai pu voir par moi-même. Ah, ça, qu'est-ce que. Eh oui, encore une belle. Une belle là ici qui se planque contre la branche. Viens ici, ce chat. Je fais gaffe à la chienne parce qu'il y a un précipice. Je ne sais pas si c'est profond. Et j'ai perdu un collègue il y a 2 ans maintenant. Une belle. Dans ces forêts là, qui a fait une chute et qui s'est tué aux champignons, notamment aux trompettes. Voilà. Une petite pensée pour lui d'ailleurs. Bon, fais attention parce qu'il y a des. On est sur du plat et puis d'un seul coup, il y a des ravins. Plus ou moins glissants. Ouais. Voilà. Viens ici. Oh. Je vois un petit cep juste au bord. Alors, attendez. Viens ici. Assis, pas bouger. Petit cèpe bronzé, on dirait. Juste là. Ouais, c'est un petit bouchon de cèpe bronzé. Je le prends pas. Pas bouger, hein. Alors. Oups. Ah, il est déjà un peu abîmé. Enfin, quoi que. Ouais, le pied est mou. Le pied est mou, mais c'est un petit cèpe bronzé. Premier boletus aéreuse de l'année, les amis, en direct avec vous. On est juste au bord du précipice. Ah, ma fifi qui est sage. Je lui ai dit de pas bouger, elle bouge pas. Là, elle commence à fatiguer parce qu'il fait très chaud. Ouais, les amis, petit ouais, cèpe bronzé. Boletus aéreuse. Ah, je vais le prendre, on va regarder ce qu'il y a à récupérer dessus. À mon avis, pas grand-chose. Hein, mais bon. Allez, je nettoie le pied et je vous reprends, les amis, on continue. Allez, les amis, là, j'arrive sur une belle tache. Donc, je suis toujours au bord du précipice. Mais là, regardez. Voilà, là, il y a une belle petite tache. Avec une belle là dans le coin contre l'arbre. Donc, je vais prélever tout ça. Allez, c'est parti, on se dépêche parce que c'est horrible. Allez, alors, hop, on vérifie quand même bien que ce soit bien des plis, hein, que ce ne soit pas des lactaires. Donc, c'est bien des girolles, il n'y a pas de problème. On les nettoiera à la maison parce que là, franchement, il n'y a pas le temps. Il pique même à travers les vêtements. C'est saleté là. Alors, des petites girolles comme ça, hein, c'est ça au vinaigre, c'est top pour l'apéro. Regardez. Hop. Donc en fait, j'ai vu la grosse de loin. Hein. Je vais la prélever tout de suite. Et en m'approchant, je suis tombé sur les autres. Ouais, ça pique à travers les habits, c'est incroyable. Alors, faire gaffe. Il y en a une dessous là. Ouais. Pas facile. Viens là, Sacha. Bon, celle-là est un peu abîmée. On prend prélever celle-là. Je fais un peu du
Je fais pas du bon boulot, mais c'est un peu galère. Attention. Je vais quand même vous les montrer. Voilà. Voilà des belles. Allez, je me sauve de là. L'horreur. Je me demande comment ils font en Amazonie. Ouf, allez, viens ma fille, viens. On saute de par là. Regardez, des fois dans les herbes hautes, là, comme ça, elles se plaisent bien aussi. Ah, qu'est-ce que j'avais raté là? Ah, une golmotte là, vous voyez, je l'avais pas vue. Aïe! Oh, je me pique. Ouais, on voit bien les teintes vineuses. Amanita rubescens, l'amanite rougissante qu'on a vu tout à l'heure déjà. Ouh. Allez, on va remonter un petit peu plus sur les hauteurs. Regardez par là. Alors attention hein, les amis, si vous allez au Girol, si vous êtes débutant, méfiez-vous à ne pas confondre les Girols avec le faux clitocybe lumineux, Omphalotus illudens, qui est très toxique, qui pousse en touffe, hein, sur souche, qui pourrait ressembler à des Girols, mais qui n'en sont pas. Il y a eu une intoxication d'une famille entière l'année dernière, je vous en avais parlé. Donc faites quand même attention. Pas parce que c'est jaune que c'est une girole. Voilà. Donc prudence quand même, si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à quelqu'un qui s'y connaît. On va prendre le risque. Oh, bon. Allez, je coupe les amis. Ah. Attendez, quoique, regardez. Non, juste quand j'allais couper, voilà une belle. J'ai pas vu non plus tout à l'heure. Ouais, elle est perdue là toute seule. Hop. Voilà. Bien, les plis, hein, comme ça, sous le chapeau. Pas des lames, des plis. Voilà. Bon, bah regardez, ça en fait quand même un peu. Hein. Ça en fait quand même un peu, c'est pas 10 kilos, mais. C'est pas mal. Allez, cette fois je coupe les amis, à toutes. Encore une petite tâche. Alors ma fille commence à fatiguer. Moi aussi. Quelques-unes là ici. Allez, on va les prélever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es fatigué ma princesse? Ah oui, hein, il fait chaud. Hein, il fait chaud, hein, ma nénette. Allez les amis, je prends ça. Et je continue. Ah les amis, il y en a vraiment des belles de loin. J'ai cru que c'était des feuilles tellement c'est jaune. Regardez ça là. Oh là là. Ah, il y en a une petite là. Wow. Eh ben ça fait vraiment plaisir. J'ai vu un cèpe plus haut là, on va les voir. Bon, je pense qu'il doit être abîmé aussi, mais on va les voir quand même. Non, si on le met. Allez, ça c'est de la girole, hein. De la belle girole. Hein. Attention ce chat. Allez, viens là. Si elle ne se saute pas dessus. Regardez. Belle. Belle, on va prélever celle qui est là. Je regarde bien aux alentours en même temps. Oh, j'en vois d'autres là-bas en bas. Attends, je suis passé pas loin, là je suis sur le chemin du retour. Je suis passé pas loin. Oh, ben là. La poêlée de demain est assurée, les amis. Je redescends un peu là.
J'en ai vu une, me semble-t-il. Alors, je ne la vois plus. Ou alors c'était un reflet. Hein, ça devait être un reflet, je ne la vois plus. C'était par là. Non, non, c'était un reflet. Un mirage. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Là, je vais remonter voir le cep. Celui, par contre, je l'ai bien vu. Alors, on va passer par là. Aïe, 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 je me fous une branche dans la figure. Alors, un beau cep. Mais dans quel état est-il? Regardez. Je vais m'approcher. On va le prélever. Non, ben il est tout mou. Ouais, fichu aussi. Et ce beau réseau. Le cep d'été, malheureusement, fichu, véreux. Je m'en doutais un peu. Hein. Mais bon. On a quand même un beau petit panier de girolles. Donc ça, ça fait plaisir. Tant pis pour les cèpes. Alors. Eh ben, je quadrille la zone. Vous voyez, c'est très très humide là. Malgré qu'il fait très chaud. Vu qu'il pleut régulièrement. Je crois qu'il a plu tous les soirs de la semaine là. Il est chaud la journée. Et plus le soir. Donc voilà, ça fait son œuvre. En tout cas, c'est bien plus humide que d'habitude. Et là aussi, on avait un cep qui est tout pourri. Voilà. J'ai pas pu venir le week-end dernier. Donc voilà, là-bas c'est des lecteurs poivrés. Ah, un petit là, juste devant mon nez. Et on voit, c'est celui-là. Ah, il est pas vilain. Je vais regarder si le pied est mou. Hein. C'est toujours très très mou. Je vais regarder ce que je peux récupérer là-dessus. Voilà, un cep d'été. Boletus reticulatus. Allez les amis, je coupe et je vous reprends dans un moment. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Quelques girolles, voilà, un bon panier. Enfin, un bon panier, j'ai pas un panier plein, hein, mais de quoi faire une bonne poêlée pour demain et se régaler. Donc ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Et puis d'avoir croisé quand même pas mal d'espèces, hein, un petit cep bronzé, un petit cep d'été. Enfin voilà, de divers champignons. C'est varié, ça fait plaisir. Eh bien écoutez, je ne vais pas faire plus long. Je reviendrai faire certainement un tour dans la semaine, je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir, je verrai si j'ai le temps, mais ça sera sans doute plus le week-end prochain. Voilà les amis, ben en attendant, passez un bon week-end, bonnes vacances s'il y en a parmi vous qui sont bientôt. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, je retourne la caméra. Voilà, ma petite fille qui m'accompagnait, elle est crevée. Tu dis au revoir Sacha. Allez Naz, elle regarde la voiture, elle se dit bon allez on y va. La petite mère, elle est crevée. Allez, ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut les gens, bye bye, ciao.